Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser le point de losange ajouré. Alors, il est vraiment très simple à réaliser. Pour ça, il va falloir savoir réaliser les jetés, les surjets simples, les surjets doubles. Et bien sûr, avoir la main pour tricoter en jersey endroit et du coup, faire les mailles endroit et faire les mailles envers. C'est vraiment pas compliqué. De toute façon, tous les points que je vous ai cités, je vous les ai déjà fait en vidéo et vous pouvez les retrouver ou en haut de l'écran ou alors dans la barre d'infos. Si vous voulez suivre les vidéos que je publie, vous pouvez activer la cloche de notification. Avant ça, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous recevrez toutes les alertes lorsque je publie. Maintenant, nous allons pouvoir passer au tutoriel. Donc, vous allez commencer par monter un nombre de mailles multiple de 10 plus 1. Donc, voilà, dans mon cas, j'ai monté 41 mailles. Et on va pouvoir commencer le motif du losange ajouré. Donc pour le premier rang, ce qu'on va faire, et c'est ce qu'on va répéter en fin de compte pour tout le rang, c'est ceci. Donc vous commencez par faire une maille à l'endroit, ensuite un jeté, donc vous passez le fil au-dessus de votre aiguille, ensuite vous allez piquer deux mailles en même temps, et on va tricoter ces deux mailles ensemble à l'endroit. Ensuite, 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, on va faire un surjet simple. Donc, vous allez glisser une maille sur votre aiguille. Tricoter la suivante et on va passer par-dessus la maille qu'on vient de glisser. Donc vous attrapez votre maille et vous la faites glisser par-dessus l'autre comme ceci. Et ensuite un jeté. Donc ce qu'on vient de faire là, c'est ce qu'on va répéter pour tout le rang. On va le refaire une fois. Vous commencez votre séquence par une maille à l'endroit. Un jeté, deux mailles ensemble à l'endroit, ensuite 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4 et 5. Un surjet simple, vous glissez une maille, vous tricotez la suivante et vous passez la maille glissée par-dessus la maille tricotée et on finit la séquence par notre jeté. Et en fait, vous allez répéter exactement ça pour le reste de vos mailles. Donc là, je suis sur le point de terminer, je fais mon surjet, un jeté et je termine mon rang par faire une maille à l'endroit. Voilà pour le premier rang. Pour le deuxième rang, et en fait pour tous les rangs envers, donc pour tous les rangs pairs, on va tricoter les mailles comme elles se présentent, donc tout à l'envers. Donc les mailles et les jetés aussi. Donc vous tricotez tout à l'envers. Donc les jetés aussi. Et vous devez toujours avoir le même nombre de mailles que vous aviez au départ. Donc si vous avez un doute sur les rangs envers, vous pouvez compter vos mailles, comme ça vous allez vous rendre compte tout de suite si vous avez fait une erreur. Je termine mon deuxième rang. Maintenant pour le rang numéro 3, et là c'est pareil, ce que je vais vous montrer là, c'est ce qu'on va répéter pour tout le rang. Donc la séquence à répéter, c'est une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, 1, 2 et 3. Et là on va faire un surjet double.
Donc je vais glisser une maille sur mon aiguille. Je vais tricoter les deux suivantes ensemble. Et je vais passer la maille glissée par-dessus les deux mailles tricotées. Donc après le surjet double, on continue avec nos trois mailles à l'endroit. Une, deux et trois. Et un jeté. Et là, ce qu'on vient de faire, c'est ce qu'on va répéter jusqu'à la fin du rang. Donc on va le refaire. Une maille endroit. Un jeté. Trois mailles à l'endroit. Une, deux et trois. Un surjet double. Donc je glisse une maille. Je tricote les deux suivantes ensemble. Trois mailles à l'endroit. Une, deux et trois. Et un jeté. Et vous répétez exactement comme ça pour vos mailles restantes. Donc je termine ma séquence et je finis mon rang par faire une maille à l'endroit. Voilà pour le troisième rang. Maintenant, pour le rang numéro 4, eh bien vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers. On peut passer maintenant au rang numéro 5. Et là, c'est pareil, ce que je vais vous montrer, c'est la séquence à répéter. Donc, on va commencer par faire deux mailles à l'endroit. Une et deux. Un jeté, deux mailles endroit, un surjet double, je glisse une maille, je tricote les deux suivantes à l'endroit et je passe ma maille glissée par-dessus les deux mailles tricotées. Deux mailles endroit, une et deux, un jeté et une maille à l'endroit. Et c'est ce qu'il faut répéter. On recommence. Deux mailles endroit. Une et deux. Un jeté. Deux mailles à l'endroit. Un surjet double. Deux mailles à l'endroit. Un jeté et une maille endroit. Et là, vous répétez cette séquence jusqu'à la fin de votre rang. Je termine ma séquence et je finis mon rang par faire une maille à l'endroit. Maintenant pour le sixième rang, c'est toujours pareil, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers. Pour le rang numéro 7, donc la séquence à répéter, c'est 3 mailles à l'endroit, 1, 2 et 3, un jeté, une maille endroit, un surjet double, donc j'ai plus besoin de vous l'expliquer maintenant, une maille endroit, un jeté et deux mailles endroit. Et c'est ce que vous répétez pour tout votre rang. Trois mailles à l'endroit. Un jeté, une maille endroit,
A sur G double. Une maille en droit. Un jeté. Et deux mailles en droit. Et vous répétez comme ça jusqu'à la fin de votre rang. Donc je finis ma séquence et je termine mon rang par faire une maille à l'endroit. Pour le huitième rang, nous sommes sur le rang envers, donc ça ne change pas. Vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers. Maintenant, pour le rang numéro 9, la séquence à répéter, c'est 4 mailles en droit, 1, 2, 3 et 4, un jeté, un sur G double, un jeté et 3 mailles en droit. Donc là, c'est ce qu'il faut répéter. 4 mailles en droit, 1, 2, 3 et 4, un jeté, un sur G double, un jeté et 3 mailles en droit. Et là, vous répétez cette séquence pour tout le reste de vos mailles. Je termine ma séquence et je finis mon rang par faire une maille à l'endroit. Maintenant, pour le dixième rang, vous allez tricoter, comme d'habitude, toutes vos mailles à l'envers. Donc, je viens de terminer mon douzième rang et justement, j'ai vu que je n'avais pas passé ma maille glissée par-dessus mon surjet double sur le rang précédent. Donc en fait, j'ai simplement rectifié tout de suite avant de continuer. Et c'est pour ça que je vous disais en début de vidéo, si jamais sur le rang envers, vous n'avez pas le nombre exact de mailles, c'est qu'il y a une petite erreur quelque part, vous avez juste à vérifier. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'ici, je n'avais pas justement passé ma maille glissée par-dessus le surjet double. Donc une fois que j'ai rectifié mon erreur, je vais pouvoir continuer. Et maintenant, pour le rang numéro 11, ce qu'on va répéter, donc la séquence à répéter, c'est 3 mailles en droit, 1, 2 et 3, un sur G simple, un jeté, une maille en droit, un jeté, deux mailles ensemble à l'endroit et deux mailles en droit. Une et deux. Et là, c'est ce qu'il faut répéter pour tout le rang. Trois mailles à l'endroit, un sur G simple, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, deux mailles ensemble à l'endroit et deux mailles en droit. Et vous répétez cette séquence jusqu'à la fin de votre rang. Je termine ma séquence par mes deux mailles en droit et je finis mon rang par une maille à l'endroit. Pour le rang numéro 12, eh bien vous tricotez toutes vos mailles à l'envers.
Maintenant, pour le rang numéro 13, on va commencer comme ceci. Donc là, ce n'est pas la séquence à répéter. On va commencer le rang et le finir différemment que les séquences qu'on va répéter sur tout le rang. Donc là, vous commencez votre rang par faire 2 mailles ensemble à l'endroit. Ensuite, 3 mailles endroit. 1, 2 et 3. Et un jeté. Et là, ce que je vais vous montrer maintenant, ça va être la séquence à répéter. Donc vous faites une maille endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, 1, 2 et 3, un surjet double, trois mailles à l'endroit, 1, 2 et 3, et un jeté. Et là, vous répétez. Une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles endroit, 1, 2, 3, un surjet double, 3 mailles endroit, 1, 2, 3 et un jeté. Et là donc je vais continuer puisque je dois le refaire encore une fois. Une maille endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, 1 surjet double, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3 et un jeté. Donc là j'ai terminé ma séquence et donc il me reste 6 mailles en fait sur mes aiguilles. Donc là ce qu'on va faire, on va terminer le rang comme ceci par faire une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, 3 mailles. Et on finit le rang avec un surjet simple. Voilà pour le 13e rang. Maintenant pour le rang numéro 14, eh bien vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers. Maintenant pour le rang numéro 15, on va commencer par faire 2 mailles ensemble à l'endroit, ensuite 2 mailles endroit, 1 et 2, un jeté et une maille à l'endroit. Et à partir de maintenant, c'est la séquence qu'il va falloir répéter pour tout le rang. Donc on va faire 2 mailles endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit, un surjet double, 2 mailles à l'endroit, 1 et 2, un jeté et une maille à l'endroit. Donc là, c'est ce qu'il faut répéter. 2 mailles endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit, un surjet double, 2 mailles à l'endroit, un jeté et une maille à l'endroit. Et on répète. 2 mailles endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit, un surjet double,
2 mailles à l'endroit, un jeté et une maille endroit. Donc là j'ai terminé la séquence, donc il me reste de nouveau 6 mailles sur mes aiguilles, donc là je vais terminer mon rang. Donc je fais 2 mailles à l'endroit, une et 2, un jeté, 2 mailles endroit et je termine par faire un surjet simple. Voilà pour le rang numéro 15. C'est toujours pareil, le rang numéro 16, et bien vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers. Pour le rang numéro 17, on va commencer par faire 2 mailles ensemble à l'endroit, ensuite une maille endroit, un jeté et 2 mailles à l'endroit. Et maintenant, ça va être la séquence à répéter. 3 mailles endroit. 1 jeté. 1 maille endroit. 1 surjet double. 1 maille à l'endroit. Un jeté et 2 mailles endroit. Et là, vous répétez cette séquence jusqu'à avoir 6 mailles qui vous restent sur votre aiguille de gauche. 3 mailles endroit. 1, 2, 3. Un jeté. 1 maille à l'endroit. Un surjet double. 1 maille à l'endroit, 1 jeté, 2 mailles à l'endroit. Et vous répétez. Donc là, il me reste mes 6 mailles sur mon aiguille de gauche. Donc ce qu'on va faire, c'est 3 mailles à l'endroit, 1, 2, et 3, un jeté, une maille endroit et on termine par un surjet simple. Maintenant, pour le rang numéro 18, eh bien on tricote toutes les mailles à l'envers. Pour le rang numéro 19, on va commencer par faire 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté et 3 mailles endroit. 1, 2 et 3. Et là, ça va être la séquence à répéter jusqu'à arriver à la fin où il nous restera 6 mailles sur l'aiguille de gauche. Donc, il faut faire 4 mailles endroit. 1, 2, 3 et 4. Un jeté. Un surjet double, un jeté, 3 mailles endroit, 3. Et vous répétez. 4 mailles endroit, 1, 2, 3 et 4. Un jeté. Un surjet double, un jeté et 3 mailles endroit. Et vous continuez comme ça. Donc là, j'ai terminé ma séquence. Il me reste bien mes 6 mailles sur l'aiguille de gauche. Donc on va pouvoir terminer le rang. Et bien, on fait 4 mailles endroit. 1, 2, 3. Et 4, un jeté et on termine par faire un surjet simple.
Voilà pour le rang numéro 19. Et pour le rang numéro 20, eh bien, vous aurez juste à faire un rang tout à l'envers. Donc là, c'est très simple en fin de compte, puisque vous allez devoir répéter simplement du rang numéro 1 au rang numéro 19. Donc j'espère que ce motif vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai été ravie encore de partager une vidéo avec vous. Et comme d'habitude, je vous dis à vous d'essayer.